la galaxie d'Andromède. Cette galaxie spirale, la plus proche de la Voie lactée, est notre plus grande voisine cosmique et se trouve à une distance d'environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Dans de bonnes conditions et sans recourir à une quelconque technologie, c'est l'objet le plus lointain que l'homme peut observer à l'œil nu. Plus de 130 années se sont écoulées depuis que la toute première photographie de la galaxie d'Andromède a été prise par l'astronome amateur britannique Isaac Roberts. Depuis, la galaxie, également connue sous le nom de Messier 31, est devenue l'un des objets du ciel profond les plus photographiés. Grâce aux capteurs numériques modernes, la qualité des images astronomiques s'est améliorée à un rythme effréné. Il y a encore quelques années, Messier 31 était encore photographié presque entièrement avec des filtres à large bande pour capturer la lumière de l'ensemble du spectre visible. Mais les astrophotographes ambitieux se sont de plus en plus tournés vers l'exposition de la galaxie avec des filtres à bande étroite comme un filtre H-alpha afin de montrer les régions H2 et les zones de formation d'étoiles dans les bras spiraux de la galaxie. Tel un collier de perles, les nébuleuses rouges d'hydrogène ionisé s'alignent les unes après les autres. Chacune de ces nébuleuses, d'un diamètre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années-lumière, est le lieu de naissance de nouvelles et jeunes étoiles. Mais ce n'est pas seulement la galaxie d'Andromède elle-même qui contient la substance dont sont faites les étoiles. L'hydrogène rougeoyant peut également être trouvé dans le milieu interstellaire de la Voie lactée. Cependant, la concentration de ces gaz est incroyablement faible. Mais des temps d'exposition énormes permettent de visualiser les fins nuages d'hydrogène qui sont situés loin au premier plan de Messier 31, dans la Voie lactée elle-même. La galaxie d'Andromède apparaît maintenant presque transparente et en apesanteur. Ces bras spiraux évoquent de multiples anneaux de feu qui s'étirent en volutes multiples vers les confins de la galaxie géante. À ces temps d'exposition élevés, des structures moins lumineuses telles que des vestiges de supernovas et des minuscules nébuleuses planétaires apparaissent à proximité des régions de formation d'étoiles. Des capteurs de plus en plus puissants et des filtres plus sophistiqués ont encouragé les astrophotographes à expérimenter davantage. Ce n'était qu'une question de temps avant que les amateurs ne capturent pour la première fois la lumière de l'oxygène ionisé de Messier 31, la raie O3. Le résultat est spectaculaire. La lumière turquoise de la raie O3 se trouve dans tous les bras spiraux et bien au-delà du disque galactique. De minuscules points turquoises à l'écart du centre galactique révèlent des nébuleuses planétaires ainsi que des vestiges de supernovas. Lorsque les longueurs d'onde de l'hydrogène et de l'oxygène sont combinées, Andromède se révèle dans un impressionnant flamboiement de couleurs, dévoilant des détails jamais vus auparavant. Comme cette nébuleuse en forme de fleur qui brille en O3 et qui possède, cela paraît incroyable, les dimensions du petit nuage de Magellan. Ou ce pilier, mesurant plusieurs milliers d'années-lumière, qui semble surgir du noyau de la galaxie d'Andromède. De nombreux vestiges de supernovas connus et inconnus sont aussi maintenant clairement visibles grâce à la combinaison des longueurs d'onde. Mais la galaxie a gardé un secret depuis toujours. En août 2022, notre équipe a fait une découverte surprenante. À ce jour, les astronomes professionnels et amateurs ainsi que les astrophotographes ont travaillé de concert pour confirmer l'existence d'une nouvelle caractéristique de la galaxie d'Andromède. Nous sommes donc très heureux et émus de vous présenter aujourd'hui l'arc d'émission O3 de M31. La nature de l'arc n'est pas encore déterminée.
il pourrait s'agir d'un segment d'un résidu de supernova galactique ou d'un segment d'arc d'une ancienne nébuleuse planétaire galactique. Cependant, les chercheurs de l'équipe estiment que d'autres explications sont plausibles. Dans ces scénarios, l'arc se trouve à proximité immédiate de M31 et est formé par de violentes interactions entre des courants stellaires et des marées dues à des fusions galactiques autour de M31. Mais il est possible que l'arc se trouve à mi-chemin entre nous et M31 et qu'il s'agisse d'un choc d'interaction entre le halo galactique de la Voie lactée et celui de M31. Cette découverte a été possible parce que les amateurs et les scientifiques professionnels ont travaillé main dans la main. En dépit de nombreuses frontières et des barrières linguistiques, les échanges furent incessants et passionnés. De nombreux mois de recherches intensives, d'analyses et de photographies ont été nécessaires pour pouvoir annoncer cette découverte. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce projet exaltant et qui ont soutenu l'équipe. À vous tous, et du fond du cœur, merci.